Une trentaine de maires et d'élus du New Jersey arrêtés. 15 membres présumés d'un réseau international de trafic d'organes, dont 5 rabbins écroués. Ceci n'est pas l'épilogue d'une série policière américaine à grand succès, mais bel et bien l'un des plus vastes coups de filet jamais lancés par la police de l'État du New Jersey. Plus de 300 agents du FBI et des services secrets étaient mobilisés à travers l'État du New Jersey pour cette opération. 10 ans d'enquête pour démanteler un réseau aux ramifications allant jusqu'en Suisse et en Israël. Corruption, extorsion de fonds et trafic d'organes, le tout dissimulé par des religieux peu scrupuleux. Nous avons arrêté le rabbin Rosenbaum qui était lié au réseau de blanchiment d'argent. Il profitait de la vulnérabilité de certaines personnes pour leur acheter leurs reins, 10 000 dollars. Il le revendait ensuite aux alentours de 160 000 dollars. Les suspects encourent entre 5 et 20 ans de prison. À quelques mois de l'élection des gouverneurs, les autorités du New Jersey assurent que ces arrestations ne sont pas politiques. Dans cet état, connu pour les relations malsaines entre le milieu politique et le crime organisé, la lutte anticorruption est l'un des thèmes de campagne les plus populaires. Du cyclisme.